Au Cameroun, comme dans la plupart des pays africains, le taux de chômage crève le plafond. L'État ne pouvant pas garantir à lui seul un emploi pour chaque citoyen, a besoin d'une nouvelle dynamique. C'est dans ce contexte que naissent les journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun. Promouvoir l'entrepreneuriat et la création des richesses comme solution au chômage et à la pauvreté, telle est la mission à laquelle s'attellent les GEC depuis 2009. Dans une société qui a fort besoin de développement économique, des facilitateurs aux participants, en passant par les organisateurs, l'engouement autour de cet événement va grandissant au fil des ans. Pouvoir développer un pays, développer une entité, développer un secteur ou du moins un marché bien précis, il faut d'abord opérer ou bien changer les paradigmes mentaux. Et pour moi, l'EGEC est une très belle plateforme qui va se permettre, se positionner comme un coach, je voudrais dire, une plateforme de coaching qui va aussi former, qui va aussi aider ces jeunes gens qui ont besoin d'un repère. De grands noms de l'entrepreneuriat au Cameroun ont cru à cette initiative dès sa naissance et aujourd'hui encore, ils réitèrent leur soutien à ce grand événement. C'est une initiative louable. Il a fallu beaucoup de courage du promoteur pour se lancer dans quelque chose qui ressemblait à de l'utopie. Mais au fil des années, nous nous sommes rendus compte que c'est devenu une tradition. Et pour moi, si l'EGEC n'existait pas, il fallait le créer. C'est une grande opportunité, une grande odyssée, un grand carrefour du donner et du recevoir qui allait permettre à cette jeunesse d'abord d'être édifiée en rapport avec l'expérience qu'ils allaient recevoir de tous ces grands promoteurs. Dès l'entame de cette aventure, l'orientation donnée au GEC est claire. Promouvoir une entrepreneuriat fondée sur des valeurs éthiques, morales et citoyennes. Les journées de l'entrepreneuriat éthique du Cameroun sont fondées sur des valeurs. Des valeurs de productivité, des valeurs de patriotisme et surtout un esprit civique et éthique. Les journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun est une plateforme qui promeut la culture entrepreneuriale. Nous avons constaté que le problème du chômage était un problème réel au Cameroun et le système éducatif que nous avons jusqu'ici ne nous aidait pas à pouvoir répondre à cette problématique. Donc, raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette plateforme afin d'éveiller l'esprit des Camerounais, afin d'éduquer l'esprit des Camerounais à pouvoir au-delà de vivre comme des salariés au travers des diplômes académiques qu'ils reçoivent, mais être plus des personnes qui soient capables de créer de la richesse, créer de la valeur, ajouter de la plus-value dans la société et par là résorber le problème du chômage et lutter efficacement contre la pauvreté. Cette lutte, Brice Tercel Sambo, un jeune participant des GEC, l'a prise à bras le corps. Je pense que les GEC, c'est une véritable plateforme où on appelle à un éveil à la connaissance. Que ce soit par nos traditions, que ce soit par la religion, l'Afrique a trop souffert, n'est-ce pas, d'un attachement aux croyances. Je pense que les GEC, c'est un appel à l'éveil à la connaissance. Au moment où ce forum d'utilité publique amorce son 10e anniversaire, il n'est pas farfelu de rappeler que tout a commencé une matinée d'août 2009 dans une salle de conférence de la ville de Yaoundé où des curieux sont venus se faire une idée de ce concept captivant et innovateur que venait de mettre sur pied le promoteur des GEC, Eric Alindo. En fait, l'idée des GEC, je me souviens, on est dans les années 2008. Je suis presque avec mon épouse au salon et nous sommes en train d'échanger. Et nos échanges tournent autour d'une préoccupation majeure que je ressentais dans le cœur. Comment faire pour résoudre ce problème de chômage et de pauvreté que je trouvais assez criarde? J'étais quand même touché de voir que chaque année, nos universités, nos instituts de formation professionnelle, nos collèges produisaient des milliers, des centaines de milliers, je voudrais dire, de diplômés. Et je me posais toujours la question, où est-ce qu'on devrait les caser? Donc c'est cogitant par rapport à ça que je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas important de mettre sur pied une plateforme
qui puisse donner une formation propice dans le domaine de l'entrepreneuriat pour amener les uns et les autres à pouvoir créer la richesse. Dès le départ en 2009, l'échec c'était une seule journée. Par la suite, en 2010, nous sommes allés à deux journées. Et là, dès la troisième édition, en 2011, nous avons commencé trois jours, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le samedi. Et vous pouvez vous en douter que lorsqu'il y a une évolution en termes de jours, ça fait également une évolution en termes également des activités qui meublent les différents programmes. Des journées de l'entrepreneuriat chrétien aux journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, les GEC ont connu de nombreuses évolutions. 10 ans, c'est la maturité, vous connaissez. Les initiatives dans nos pays en général dépassent pas l'horizon de 5 ans. Donc quand une initiative comme celle-là va jusqu'à 10 ans, c'est un signe de durabilité, de soutenabilité et qui mérite d'être encouragé. L'aventure ne se déroule pas sans embûches. L'accès au financement va se révéler être un gros défi pour les organisateurs. Le banquier au Cameroun ne vient jamais au début vous accompagner. Mais au début, pour un entrepreneur, vous devez faire vos économies, doucement, doucement, pour commencer une affaire. C'est quand les affaires prospèrent au Cameroun que le banquier court. Sur le plan financier, nous sommes une plateforme sociale et non pas commerciale. Donc la plupart des temps, ça ne fait pas trop courir les sponsors parce que les partenaires se disaient que ce n'est pas une plateforme assez stratégique. Mais avec le temps, l'adhésion des pouvoirs publics ont donné une certaine coloration au GEC et partant de là maintenant, certains particuliers et certaines entreprises privées et publiques sont rentrés dans le projet. Afin de pallier ce problème d'accès au financement, dans la même lancée que les GEC, une école de création des richesses est mise sur pied. Elle, c'est la School of Wealth Creation. Des braves Camerounais qui ont été formés dedans sont aujourd'hui gestionnaires d'entreprises, propriétaires d'entreprises même. C'est en fait, je voudrais dire que c'est ce que le gouvernement attend, c'est ce que la politique du président Biya promeut. Durant les journées de l'entrepreneuriat éthique, je rentre en connaissance de l'existence de l'école de création des richesses qui permet aux jeunes Camerounais de découvrir leurs talents et de les mettre à profit pour le développement du pays. Le titre de cette école m'a beaucoup intéressé, création de la richesse, parce que la plupart du temps, les jeunes veulent être riches, mais en oubliant qu'il faut créer de la richesse. Dans le souci d'épauler les jeunes entrepreneurs, au terme de ce 10e anniversaire des journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, des financements sociaux variables entre 500 000 et 2 millions de francs CFA seront accordés aux 10 meilleurs business plans. Ce financement est remboursable en 12 mois à taux d'intérêt 0%. Depuis 10 ans, s'il faudrait qu'on puisse donner quelques chiffres, je vais dire un peu plus de 6 000 participants au GEC, 250 personnes formées à l'école de création de richesses, une dizaine de micro-projets financés. Vous savez que les GEC donnent des financements sociaux, c'est-à-dire remboursables en 12 mois à taux d'intérêt 0%. Donc pour ce qui est des chiffres, voilà ce que je peux avancer sans pouvoir me tromper comme chiffre pour ces 10 ans.